La sélection tunisienne de football à l'entraînement, les Aigles de Carthage, peaufinent leur stratégie avant leur rencontre amicale prévue ce vendredi contre la sélection iranienne, puis mardi face au Costa Rica. Des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football Russie 2018. Parmi ces Aigles figurent de nombreux binationaux. La plupart n'ont enfilé le maillot tunisien que cette semaine. Ils viennent du championnat français en majorité. Commence pour eux une exaltante aventure avec comme principal souci l'éternelle phase d'intégration. Je suis très content d'être ici. Maintenant, voilà, je dois apprendre à connaître tout le monde. C'est vrai que, bon, l'intégration va se faire petit à petit. Je connaissais déjà quelques joueurs, mais ça va prendre du temps. Mais tout se passe bien pour l'instant. Ces joueurs ont évolué pour la plupart en équipe de France chez les jeunes. Pas question de nourrir des regrets pour autant. Moi, ça a été un choix du cœur. Mes parents sont d'ici, tous les deux. Donc et moi qui viens assez souvent quand même en Tunisie quand je le peux, bah, c'était une évidence de signer ici. Donc, après, c'est sûr que j'ai joué en équipe de France jeune, j'ai fait toutes les catégories, mais c'est le processus qui est mis en France pour chaque jeune de centre d'information. Et c'est la meilleure formation qu'il puisse avoir chez les jeunes. Un passé dans la Tunisie pourrait donc bien tirer profit. Reste à créer une symbiose entre cette nouvelle génération et celle qui défend les couleurs nationales depuis des années, même si le pays a été critiqué pour ses recrues dites de la dernière heure.